In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, salut, c'est Come Get Some et bienvenue sur Half-Life 2, épisode 1, épisode 3. Aujourd'hui les amis, nous sommes de retour avec Alix et bien sûr l'ami Freeman et j'entends quelques petits bruits qui ne me font pas plaisir mais qui font quand même plaisir parce que ça veut dire que je vis un petit peu... Dehors. Attention, j'entends les tourelles. Tu peux tirer s'il te plaît. Et moi j'ai pas d'armes là, hein. Je te rappelle hein. Gentil Alix de faire voilà de faire le boulot s'il te plaît. Bon, tu peux avoir une arme ou bien ça se passe comment? Bon, ça fait plaisir et pas plaisir de les revoir. Ça fait plaisir et pas plaisir du tout de les revoir parce que bah, j'ai rien à leur lancer déjà. J'ai absolument rien à leur lancer. Je ne vois rien. Je vois rien sans votre lampe torche. Bah t'as qu'à me suivre. Il faut ouvrir cette porte. D'air. Il paraît que vous aimez bien. Ta gueule. Dr. Kleiner m'a raconté que quand il s'enfermait dehors... Tais-toi, j'ai pas envie de t'entendre. Non, par contre, ce qui serait super... Clairement, faut pas tomber. Clairement, on va pas passer par là. Là je meurs. C'est pas cool, vous auriez au moins pu me donner un pied de biche hein. Ah oui, je veux ça. Ah bah voilà. Ça y est, ça commence à parler un peu là. Ah là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir, les amis. Enfin.
Il y en a bien qui va se relever, hein. Je la connais, l'histoire. Bon, allez, ben c'est parti. Bien. Mais éclairez-moi ce truc. Mais ta gueule, fais-le toi. Ça va pas ou quoi? T'es folle, je te laisse toute seule, ma vieille. Elle se prend pour qui, elle? Oh, des fourmillons. Bah alors, je tire dessus d'abord. Écoutez, si elle veut s'occuper elle-même des zombies, qu'elle le fasse, hein. Tant qu'à faire. Hein. Bien. Ouh, il y a eu une sacrée bataille ici. Des fourmilions? Le champ de défense du cartel ne doit plus fonctionner. Normal, si tu restes au niveau de la citadelle. Battez-vous! Éclairez-y! Au calme. Au calme! T'as plutôt une sale tête. Un train de transport de troupes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un zombie du cartel. C'est un zantel, non? C'est pas drôle, c'est nul! Les antelles. Ta gueule! Ferme-la! Ouvre-moi cette porte! Tu crois qu'on a le temps de plaisanter là? Il y a des zombies de partout! Ferme-la un peu! Merde! Faites gaffe, il a une grenade! Quoi? Depuis quand ils lancent des grenades, ces cons là? C'est des nouveaux types de zombies, c'est ça? D'accord, ça va être un peu plus sport. Bon, on va peut-être sauvegarder là. Allez, c'est reparti. À courir maintenant, et eh ben ça promet. Ma foi, ça promet. Tout de suite moins drôle quand on va plus avoir du tout. Je suis obligé de remettre un petit peu, hein, sinon ça va être chaud. Ok. Oh, merci pour une fois que tu sers à quelque chose.
Pour une fois que tu sers à quelque chose, ma vieille. Ah, attends. Avant de déclencher quoi que ce soit, on va déjà récupérer un peu de lampe. Je vous ai bien eu. Mais ferme-la un peu, mais ferme-la, qu'est-ce que tu dis encore? Ah, c'est moche. C'est plutôt moche, hein. Ça, c'est fait. Allez, cassons-nous. Tu peux pas fermer la porte? J'aime pas trop les bruits qu'on entend. Ouais. Elle est contente. Il y a des putains d'atrocités partout, mais elle est contente. Aïe, putain, mais bien sûr. Attention, fonction vitale menacée. Bordel de merde. Assistance médicale requise. Sans deck, hein. Danger, mort imminente. Comment ça, mort imminente? Qu'est-ce que tu me dis là? Casse-toi. Putain, il m'avait pas manqué cela, hein. J'avais pas manqué, c'est con. Peut-être dû sauvegarder. Couvre-moi, sale conne. Putain, mais couvre-moi, mais... Commence à me casser les couilles! Putain, mais mets-toi devant moi et couvre-moi, bordel! Elle est conne, elle! Elle le fait exprès ou quoi? Bien sûr! Non, mais par contre, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, hein! Comment faire pour bloquer les fourmilions? Il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose à faire. Il faut empêcher les fourmilions de sortir. Thank you.
Go, s'il te plaît, là. On va être un seul avant d'avoir liquidé toutes les fourmilions. Ah ouais, mais bon, le problème, c'est tu fais comment, là? Après, j'ai pas envie de faire un truc. Bon là, ils sortiront plus là. Bonne idée, Gordon. Bravo, je n'aurais jamais pensé à bloquer cet terrier comme ça. On se casse, allez bien. C'est la merde un peu, hein. Assez preneur. On s'en est sorti, je sais pas trop comment. On va peut-être sauvegarder. 3. Éclairer ce vernacle. Allez, venez, bande de cons! C'est tout le monde, hein? Bien ça! Faut lui éclairer en fait. Ok. Costaud les types. J'ai plus de mine. Tu vas devoir faire tout le boulot, ma pauvre. Parce que j'ai plus de mine du tout. Ça marche plutôt bien, ça, non? Il y a pas un tout petit peu de mine là? Pas grand chose. Ah. Très bien. Ok. Allez, let's go. Rien par ici. Parking P5. Ça sent encore la zone de merde, ça. C'est pas les munitions, là. Brûlez-les!
moins drôle parce que du coup... Qu'elle vole, c'est pute. Peut-être. Je suis pas certain de ce qu'il faut faire là. D'accord. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie, il m'a niqué toute ma vie. Il m'a niqué toute ma vie, donc forcément. Hein. Par ici, hein. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a de beau par là ? La vie ! Par miracle ! On a même des munitions.
pourvu que ça tienne. C'est tout ce qu'on demande. Visiblement, elle m'attend là-haut. Je sais même pas s'il fallait vraiment tout bloquer. Hein. Vraiment, je ne sais même pas. Je vais attendre de croire que oui, au moins tranquille. C'est mieux, je m'entends penser maintenant. Putain, mais on est presque royal en fait. Sauvegardons. Ils donnent plein de vie. Par là, qu'est-ce qu'on a? Super tir! Oh, c'est génial! Il y a un putain de zombie dans le coin, c'est trop cool! Comme passage, dis donc. Heureusement que vous avez la combinaison. C'est immonde. Qu'est-ce que t'as... Y a de la place pour deux là-dedans. Au lieu de faire la maline. Reculez. Démerde-toi avec lui, hein. Démerde-toi avec lui. Hein. Pas mon problème. Hein. Bon, alors. Du coup, on fait quoi? On va par ici, c'est sûr. On va bien se relever. Casse-toi, putain! Putain, le pute, il sort d'où, lui? Bah, bien sûr, il sort d'où? Sans déconner! Mais vous êtes fous, il sort d'où, lui? Vous êtes craqué ou quoi? Bon, faut avancer, faut ça, faut pas rester derrière, j'ai compris. Casse-toi, sert à quelque chose au moins. Heureusement que vous avez la combinaison. Ah. C'est immonde. La place pour deux là-dedans. Arrive derrière. J'espère qu'il y a une sortie vers la surface. J'espère surtout que tu vas fermer la porte. Merci. Ouais, en fait, fallait pas rester dedans. Du coup, ça vaut peut-être une sauvegarde et ça vaut peut-être le coup d'avancer encore un peu. Attends, on va laisser ça. Recharger un peu. Maintenant, on va tenter de rush. Parce que ça sent la zone de merde. Ah, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est de la merde. Je pense que dès qu'on va j'y appuyer là-dessus. Un ascenseur. Je me serais contenté des escaliers. J'espère que c'est une blague. Non. Ça l'est pas. Je m'y connais en électricité. Ce fil avec les étincelles doit être connecté à l'alimentation électrique. C'est bien, vas-y, fais ton truc là. Je sais qu'on va se faire défoncer par. Mais putain, mais. Donc faut aller où, ma vieille? Hein? Puisque t'es si maline.
que t'es si maline? Il faut aller où? On va voir où ce câble nous mène. Quel câble? Quel câble? Toi, mais casse-toi. Ok, c'est parti. Reculez. J'entends l'ascenseur, il fonctionne à nouveau. Donc maintenant il faut se casser, c'est ça? Attends, je sauvegarde un coup là. Quand on parle de problème. Ce zombie! Et si on venait par ici? Ce serait pas une si mauvaise idée, non? C'est l'antille! Survivre si on se met comme ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Restez près de moi, putain! Oh! Il devrait pas tarder. Il est là! Allons-y! Merde, essayez! Putain, bah ouais, mais... C'est la merde! Sortons d'ici! C'était la merde! Et ben... Je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Parce qu'ils m'avaient bien bloqué, les salauds. Il fait encore jour. Ça, Dieu merci, ça vaut une belle sauvegarde et ça vaut surtout, les amis, eh bien, de s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Tiens, regarde. C'est ça dont t'as besoin, ma vieille. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va donc se laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode. Nous voilà de retour, eh bien, sur la terre ferme, j'ai envie de vous dire. De retour avec le ciel en forme de galaxie. L'œil de Sauron, bref. Merci d'avoir regardé, on se dit à très très vite. Et à ciao, bye.